bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Wars. On est toujours en live et on reprenait notre petite aventure. Donc on avait récupéré une mémoire, je viens de voir, de Winter Level 2, ce qui nous donne des possibilités soit pour travailler sur des livres. Est-ce qu'on avait des livres? Alors je crois qu'on a les seuls livres de type Winter qu'on avait, c'était Level 8. Ouais, c'est un peu tendu, Level 8. Je vais faire un endroit où sont les livres que j'ai déjà travaillés. Tiens, là. Là, je vais mettre sur la fenêtre les livres que j'ai déjà travaillés. Mais par contre, ça pourrait nous servir éventuellement si on voulait travailler sur ça. Mais il nous faut deux souvenirs. Il nous faut une leçon. Ah oui, mais il nous faut lui. Et lui, il est fatigué, malheureusement. Donc non, je vais pouvoir faire ça tout de suite, mais je peux peut-être quand même... Il nous faut un souvenir de type Moon pour travailler sur le Wolf Story. On a une leçon de type Wolf Story, on a un Ereb. Non, c'est Srist qui est de type Moon. Il nous faudrait une mémoire. Ah, mais elle est de type Moon, celle-là. Donc on pourra améliorer notre Wolf Story au niveau 2. Et bah go. Carrément, go. Go, go, go. On est tôt dans la journée. On était ici en train de regarder qui pouvait éventuellement nous aider. On n'a toujours pas trouvé comment laver notre Dirty Laundry, mais on a dit que peut-être ici, il y aurait moyen. Et ici, il nous faut du Grey Level 4 ou du Nectar Level 4. Ce qui n'est pas encore gagné. La sage-femme, elle était loin d'être Level 4. Mais on pourrait la booster avec un petit souvenir. Hein, ok, je vais attendre de voir. Ouais, quoi que bon, c'est gratos. Je vais rien attendre du tout. On va aller demander de l'aide à notre copine. On va discuter du souvenir de la pluie avec elle. Et ça devrait la passer level 4 ici. Mrs. Kyle. Si on collabore ensemble, c'est ça, tu passes level 4. Alors, ça sera temporaire, hein, mais néanmoins très intéressant. Et là, je me demande si avec le niveau 2 de Wolf Stories, on va pouvoir peut-être aller trouver des objets mieux. Ah, ici, on a réussi. Alors, qui c'est qui est là? Un ingénieur consultant. Ok. Alors du coup, elle est de type Forge, Sky et Lanterne. On pourrait envisager d'ouvrir là. Ou là. Ah, intéressant. Là non. Ici probablement pas. Ici non plus. Et ben on va essayer de la recruter. Peut pas pour le moment, faut qu'on termine déjà de papoter avec elle. Alors là du coup... On récupère Wolf Story level 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer ça avec un petit two-pence. Et Wolf Story level 2, il devient Moon level 3 également, ça va nous aider pour travailler sur nos livres. Ça c'est très très cool. Là on avait un Moon level 6 avec notre Triste. Tac tac tac. Attends, j'ai pas vu. Excuse-moi, Gelden, t'avais dit quoi? J'ai pas fouillé encore le jeu des cultistes, tellement compliqué. Je te demande si Book of Wars est aussi complexe. Il est dans ma wishlist pour un jour. Il est complexe, notamment les interactions et tout, mais il est aussi plus accessible, je pense, que Cultist Simulator, surtout au début. Dans le sens où t'as des vraies interactions, tu vois, t'as un vrai village, t'as des actions qui sont à peu près logiques. Alors, tu utilises des aspects de l'esprit pour parler aux gens, des souvenirs pour te souvenir de choses, etc. Il y a je pense qu'il est un peu plus accessible. Après, c'est le même style. Hein. T'es balancé dedans, démerde-toi, apprends les concepts, essaye des trucs, plante-toi. Plante-toi, tu peux pas vraiment perdre dans ce jeu. Tu peux juste être plus lent que ce que tu pourrais être, si tu te gourres sur certains trucs ou si tu n'arrives pas à certaines choses. Mais ouais, faut vraiment découvrir les trucs et il est très what the fuck. Il n'est pas what the fuck au sens, mais pourquoi faut faire ça? Il est what the fuck au sens,
Mais que? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par ici? Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit livre à cataloguer là? Du coup, il nous reste deux chapitres. On va cataloguer ce livre. C'est le dernier qui nous reste, je crois, à cataloguer. Yep. Après, on aura tout catalogué. Ici, on était toujours sur du Sky level 6 et du Knock level 4. Knock, j'aimerais bien le faire quand même, hein, le Knock level 4. On est level 2 quand même avec ça. Si je le fais. Ah, mais non, mais c'est parce qu'on. Je crois qu'on n'a pas de. Ouais, c'est ça. On n'a pas de desk qui fait du knock. C'est ça le problème. Toi non plus. Et merci pour l'abonnement Prime, Gelden. C'est très gentil de ta part. 15e mois, c'est cool. Merci beaucoup. Alors, du coup, là, on a boosté notre chère sage-femme. On va pouvoir unlock ça. Et pendant qu'on unlock ça, on va essayer de recruter elle. Alors, il faut 24, donc on va la recruter. On va commencer à être un petit peu en déj de thunes après ça. Hein. On va peut-être devoir échanger notre monnaie de bronze. En gros, il nous reste un shilling et 3 pence. C'est pas ouf. Et du coup, elle a quoi? 4, 4, 4. Ok, donc là, il faudrait qu'on la booste un petit peu si on veut la faire travailler là-dessus. Sinon, on peut la faire travailler pour monter dans l'escalier. Pourquoi pas? Là, non. Là, non plus. Et là, non plus. Alors, est-ce qu'on avance? Dans la chambre à peine éclairée. Où est-ce qu'on monte l'escalier? Je pense qu'on va plutôt aller par là parce que pour monter au level 5, ça va pas être si évident. On va lui filer un outil. Il y a ça comme outil. Permet de passer, voilà, level 5. Vu qu'on l'a payé un max, on va essayer d'optimiser, on va taper dans le level 5. Le level 4 ici, on peut éventuellement l'avoir avec notre. Soit avec le forgeron, soit avec le coffin maker. Notre copain le coffin maker, donc on va pas se précipiter. Ça prend longtemps à débloquer celle-là. Ah non, j'ai eu un 80, mais non, c'était un 50, c'est bon. Tu vois, en différence principale avec Ulti Simulator, Gaelden, c'est que certes, il y a des cartes, mais on va surtout avoir, débloquer des pièces. Et dans les pièces, tout ça, c'est des objets, tu vois, avec lesquels on peut interagir et faire des choses, quoi. Et ça change quand même pas mal la donne. Alors, ouf, 18 le truc là. Ça pique un peu. Et c'est écrit en kilo. Kilazimi. Ok. Bon, on va le ranger. Celui-là, on n'est pas prêt de s'en servir, je pense. Hop. Alors toi, je vais te prendre et je vais te mettre dans l'étagère de ce qu'on peut envisager. Voilà. Dès qu'on aura trouvé un endroit avec du knock, on pourra le faire. Et on doit progresser en fait dans la maison en débloquant toutes les pièces dans la bibliothèque. Et en cataloguant les livres qu'on y trouve pour pouvoir les donner à des gens qui vont régulièrement venir pour nous exposer leurs problèmes, leurs affaires, ce qu'ils cherchent, etc. Et du coup, nous permettre de leur donner des livres et progresser dans l'histoire. Donc là, notre ingénieur est niveau 5. Il faut juste qu'on attende d'avoir fini ici, puisqu'on ne peut en faire qu'un seul à la fois. Il y a plein de petites interactions à faire. Par exemple, ici, on a découvert qu'on pouvait se reposer dans ce lit-là. Reposer nos trucs fatigués sans attendre le lendemain. Mais il nous faut des draps. Et en fait, les seuls draps qu'on avait sont sales. Et donc là, depuis, on cherche comment laver nos draps pour pouvoir les réutiliser. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié, mais ça se trouve. On peut les réutiliser tout de suite. Mettons que je mets ça. Est-ce que je peux mettre ça? Non. Il faut.
Restaurative of beverage. Ah oui, il devait avoir restaurative ou un truc du genre, lui. Maintenant, il a soiled. Laver son linge simulateur. Bah, même pas, du coup, parce qu'on sait pas comment le laver. Donc, on n'est même pas capable de le faire. Alors, ici, on a reposé ça. Et je pense qu'on va travailler. Parce que, mine de rien, c'est un peu compliqué, là. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer là-dedans? Alors, on va tout de suite commencer à travailler sur cette pièce-là avant que ce soit la fin de la journée et qu'elle se casse. Et du coup... Non, on a débloqué des trucs, mais... pas de quoi nettoyer, a priori. Donc là, il nous faut des connaissances de type nectar et on n'en a pas. Pour le moment. Alors après, c'est knowledge. Non, c'est ça, il faut quand même que ce soit un skill. Il faut que ce soit un skill, pas le choix. On a plusieurs plantes. J'imagine qu'on pourra du coup apprendre potentiellement à faire des choses avec. Et donc, c'était bien ce que je craignais. C'était un petit jardin à étage. Hein. C'est pas, c'était pas un endroit où on pourrait laver notre linge. Un bonus, qu'est-ce qu'on a? Une lanterne. Ok, pourquoi pas. Et ça, c'est quoi? Une boisson qui sent assez bon, mais par contre, c'est boueux et rempli de sédiments. Donc, c'est intoxicating. 2 de nectar, 6 de moss, 2 de herbs, 2 de scale. C'est restaurative, mais on pourra probablement pas le boire comme ça, tel quel. Et on n'a pas débloqué de livres. On est un petit peu en dèche là. On n'a pas beaucoup de souvenirs. Alors je pourrais en créer en étudiant un objet, mais ça me confirme. Ça m'utiliserait mon dernier truc. Je pense qu'on ira travailler peut-être avec Whist. On va voir ce qu'il y a dans cette pièce là. On va le laisser bosser. Mais on ira travailler, je pense, avec ça. Parce que là, avec un shilling, en gros, on a de quoi. Avec Sweepins, on peut reposer un skill, et avec un shilling, on peut engager un mec. Et c'est tout. C'est du tour par tour ou de la pause active? C'est de la pause active. Il y a, tu vois, il y a le cycle en haut là qui se déplace. Il y a un cycle de jour et un cycle de saison. Et on peut mettre pause ou accélérer quand on veut. Et toutes les actions que tu fais ont un coût en seconde. Donc c'est vraiment du temps réel avec pause, quoi. Pareil, hein, je suis quasiment sûr que cette encre elle pourrait servir pour notre livre là, mais. Encore faut-il trouver quoi en faire, quoi mettre dedans. Ah, on a terminé là. Hop. On va attendre juste d'avoir terminé la pièce. Ça y est. Ouh, il y a tellement de livres dedans. Alors, il y a. Un thé, ok, un thé assez compliqué. Il y a une tasse de ce même thé, ok. Il y a du papier, il y a un desk. Ah, il n'est pas de type knock, dommage. Il y a plein de livres. Une chandelle. Ah, pas mal, de type chandelle, de type lanterne. Donc elle va pouvoir nous aider à améliorer notre prêtre, lui, celle-là. Et plein de livres à cataloguer. Une lampe. Lampe de lecture, très bien. Et globalement, c'est tout. Ah non, et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est... Ok, ça, c'est... Ok, là, c'est vraiment des étagères, quoi. Là, on a le truc où on peut mettre du bouquin. Du coup, on pourra cataloguer, mais je pense qu'on va plutôt aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, c'est plutôt la lanterne qui joue. Et en gros, on va aider avec nos connaissances, quoi. Ok. Faire du calcul ou aider à la compta, genre de choses, pourquoi pas. Ah, ici, c'est quoi ça? J'avais pas vu. Alors, quand on écrit un livre avec
l'encre de type Hounsgal, il y a plus de chances qu'il retourne à leur propriétaire. Ou ceux à qui il a été légitimement vendu. Et c'est une Link of Containment, comme celle qu'on pourrait crafter nous. Intéressant. Pourtant, elle n'est pas de type Moon. Ok, très bien. Ah, mais il nous reste un Else ici, je l'avais pas vu, caché en dessous. C'est pas bien ça le signe, faut mieux ranger. Bah, du coup, on va aller voir si on peut trouver des trucs mieux avec notre loup level 2 là. Alors, du coup, elle va être fatiguée parce qu'on finira pas avant la fin de la journée. Alors, on peut étendre le truc autant qu'on veut, hein, si on veut vraiment bien ranger. Donc, c'est un peu moi qui grille en le mettant aussi serré. Et alors, vous voyez que là, on a une toute petite case alors qu'on a plein d'aspects. On a une toute petite case alors qu'on a plein de trucs à mettre ici. Ça vous laisse un peu imaginer la quantité de skills et de langage qu'il nous promet d'apprendre dans cette case-là, vu la taille de base du machin. J'ai pas regardé du coup. Ici, on l'ouvre avec quoi? Du Sky Level 6 ou du Earth Level 6? Ça a l'air d'un reptile moisi. En train de pourrir. Ok. Ah oui, il a l'air d'avoir des instruments de musique et tout. Très bien. Et on a débloqué d'autres choses ici. Non, on a toujours le premier étage. Et Et là, ça a l'air d'être un truc assez particulier. On va peut-être commencer à galérer à progresser là. Donc là, on a travaillé un petit peu. Ok, on a 2 shillings. Attention quoi. Excusez-le. Ça rigole plus. Et c'est la nuit. Il n'y avait pas un lobby là. Il n'était pas à 6 seulement. Il est à 8 lobby. Ouais. Problématique. 6, c'est quand même problématique. 6 par contre en nectar, c'est peut-être jouable, on va le mettre là. 12 non, c'est pas possible. Winter à 8, on pourrait peut-être réussir avec tout ce qu'on a là. Ah, et là on a réussi dans la nuit, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une petite algue. Ok, bah écoutez, fantastique. On a une algue. Et du coup, c'est bien, tout va être régénéré le matin. C'est parfait. Alors, on va bientôt arriver en automne, donc on va pouvoir savoir si on a plutôt des souvenirs de type Cloud ou Moon qui nous permettront de progresser. Pour l'instant, ça nous manque un peu ces souvenirs-là. Très honnêtement. Voilà, c'est le matin. Est-ce que ça, si je le travaille... Ça le détruit. Ouais, ça va la consume. On est d'accord. Ça, c'est 6 aussi. Ok, on va le mettre là. Donc là, on a un Moon level 6, mais il va nous falloir, on va laisser la pause 2 secondes pour voir quel temps il fait. Sunny, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. On est d'accord qu'on n'a pas d'aspect de type Sky. On a un aspect de type Lanterne, mais c'est un niveau, donc c'est tout naze. On va aller fouiller là, voir ce qu'on trouve dans la forêt. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui? Ces papiers-là, ils sont pas bons.
Ça nous donne du edge et du hearth et beaucoup de scale, mais c'est pas hyper intéressant. Ça bof. Ça, c'était du scale aussi. La lampe, c'est du type lanterne. Il n'y a pas vraiment moyen qu'on arrive à booster notre connaissance. Est-ce que ici on peut mettre des gens? Non, on peut mettre une encre ou un objet. Ok, donc on peut pas utiliser nos amis pour nous aider. Est-ce qu'on peut mettre un truc qui est readable ou alors qui est blanc si on veut écrire? Là, on peut mettre des skills que du type qui correspond. Pareil pour les mémoires et pareil pour le soul. Qu'est-ce qu'on a de niveau 2? On a du knock niveau 2. On a du moss niveau 2. On a du grain niveau 2. Mais on n'a même pas de livre avec du grain, je crois. D'endroit avec du grain. Peut-être le télescope? Ouais, ici on pourrait travailler sur la forge. Mais là c'est même pas pour du livre, là c'est vraiment pour crafter des trucs. Et on a ce skill-là qui pourrait y aller. On arrive à 3. C'est naze. C'est naze! Par contre, avec le truc. Sunny, y a rien qui nous aide en Sunny. Hein. Bah non, ça rajoute des trucs qui nous servent à rien. Alors, si je mets ça pour aider, on passe à 5 en Winter, mais ça sert à que dalle. Bon, c'est pas intéressant. N'est pas intéressant. Si on commence la journée en cataloguant un livre. Allez, vendu. Ok, on commence à être sur des livres qui sont occasionnellement contaminés. Et salut Xebus, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tous les raiders, salut Prilcob, salut Azurheim. Et du coup, bah bien le bonjour Xebus. J'espère que le live s'est bien passé, j'ai vu que tu t'es terminé à TA. Alors t'as Gaëlden en plus qui connaît bien TA ici. On a un florin, t'as même pas une crone quoi. Un florin c'est 24. Ok. Bon tant pis, on va faire du change là-dessus. Hein. Histoire de se faire un petit peu de sous. Voilà. Tenshining. Et du coup, elle peut nous faire de la monnaie là-dessus. Voilà, parfait. On a un petit peu de sous comme ça. On est un petit peu plus riche. Il est bien noir ce livre. The Black Book of Brittany. Ok, très bien. Ah, il parle de l'encre. Il parle de notre compétence, c'est intéressant. Le problème, c'est que c'est niveau 12, hein, donc autant dire que c'est pas tout de suite. On va le ranger avec les livres compliqués. Au niveau des encres qu'on a disponibles, on a celle-là en encre qui est de type Edge. On a celle qu'on a débloquée là, qui est plutôt de type Scale.
Le 2 est différent, moins bien sur certains aspects, mais mieux sur d'autres. Oui, le 2 est un peu plus 4X que le 1, on peut dire, on pourrait dire. Le 1 est un peu plus stratégie. Parle de TA. Scale. Winter. On pourrait faire. Recréer. Du Ngreo là. Nous fera un objet intéressant à utiliser. On va regarder. Il serait disponible au recrutement aujourd'hui. Peut-être moyen d'ouvrir là ou là assez facilement. Ici, peut-être, parce qu'on a ce truc-là qui nous permet de booster le Sunny. Hein. Le Sky. Donc c'est pas inintéressant. Le 2, c'est 99% de résolution auto. Ah oui, pour les combats. Ah, c'est vrai que le système de combat a bien changé, ouais, entre le 1 et le 2. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Je pense que pendant ce temps-là, on va cataloguer un petit livre avec notre Ereb. Et ouais, il y a moyen que. On commence à tomber sur du bouquin contaminé là. On fasse attention. Je sais pas ce que ça fait, hein, mais c'est pas bon, je pense. Quand un bouquin est contaminé, quelque chose me dit que c'est pas bon. Stable là. Alors, on a terminé plein de trucs. Ici, on a récupéré un peu de bois. Très bien. De type nectar et winter, pourquoi pas. Alors, le else, il va se mettre derrière. Et du coup, Xebus, toi, tu voulais savoir à quoi ressemblait l'autre jeu des mecs qui ont fait Cultist Simulator. Et bien, c'est celui-là. Ça, c'est de type winter. Et je dois avouer qu'il est fort sympathique. Personnellement, je le trouve vraiment très très bien. Ici, il reste 0,4 secondes. On a encore un ingénieur. Ok. Bien sûr, il va revenir level 4 si on le travaille avec lui. Mais il est de type Sky, hein. Donc on va l'embaucher. Non, il faut plus que ça. On n'a que des couronnes. Bah, on va faire de la monnaie. Hop, c'est parti. Parce que là, on va parler avec elle du souvenir Sunny. Et ça va la passer à niveau 6 normalement. On va pouvoir progresser là dans cette direction. Peut-être même qu'on pourra progresser par là sans s'embêter. Ouais, peut-être plutôt vers le haut. On verra. On va voir comment on gère ça. Et du coup. Niveau 4 de forge, est-ce qu'on a des trucs de type forge? Ça, c'est du granit, hein. Ouais, le forgeron, il peut travailler avec du métal, pas du granit. Enfin, pas de la pierre. On n'a pas grand-chose d'autre. De type forge. Ah, on a le thé là. Le T ou niveau 2 de type forge. Eh, bah du coup on pourrait avoir assez facilement ça. On va aller embaucher le forgeron. Mais je peux pas lui parler si je peux lui parler avec ça. Il lui faut un shilling. Il a l'air d'être ultra fouillu. Il est ultra fouillu, oui. Il y a plein de trucs à faire. Comme je disais, un peu comme dans Cultist Simulator, on te balance dedans et démerde-toi. Donc il y a plein de choses à apprendre et de choses à découvrir. Oh, un Mystery Moon de niveau 6, c'est bon ça. Est-ce que ma bibliothèque est pleine ici? Ouais, malheureusement elle est pleine. On va commencer à remplir celle-là. Et au début, t'es un peu guidé, c'est-à-dire que tu peux faire certains trucs, mais t'as plein d'endroits où cliquer, mais tu peux faire qu'une seule action, après tu peux faire deux actions. Et puis petit à petit, tu vas faire. Bah, là, on est rendu, on peut faire n'importe quoi, plein de trucs. Et du coup, ça rend les choses vachement
plus fouillus. Tu vois, typiquement, là, moi, j'essaye de progresser dans la maison pour découvrir des trucs. Est-ce que c'est pertinent? Peut-être qu'en fait, pas du tout. Parce que du coup, il y a plein de choses, plein d'objets, plein de trucs avec lesquels interagir partout. Et du coup, je ferais peut-être mieux de me concentrer sur certaines autres choses, tu vois. Mais j'ai décidé de travailler là-dessus, donc je me concentre. Alors ici, on a embauché notre ami le forgeron. Et le problème du forgeron, c'est qu'il est level 2. Et que pour ouvrir le premier étage, il nous faut un forgeron level 4. Mais on va lui filer un petit peu de thé de magique et il va être surboosté. Avant, on est en train de surbooster notre ingénieur de passage là. Donc là, on va pouvoir ouvrir cette salle-là avec l'ingénieur vu qu'on le passe level 6 et cette salle-là avec le forgeron vu qu'on le passe level 4. Ce serait pas mal quand même d'aller un jour par là, mais ça, c'est des trucs qu'on n'a pas en fait. Malheureusement. Et là, on pourrait aussi ouvrir. Il est de type Edge, lui. Est-ce qu'on a un truc de type Edge à lui donner? Il est Edge level 2, il faut 4. Est-ce qu'on a du Edge? Alors, quand on survole un aspect, ça fait clignoter à l'écran les choses de cet aspect. Ici, par exemple, on voit qu'il y a a priori juste l'encre là. Et on peut pas vraiment lui filer l'encre. Hein. Ça, c'est pas de l'ordre du possible parce que. Pas de l'ordre du possible. Il y a cet angle là également. Il y a le buste ici, mais le niveau 1, donc ça nous sert à rien. Et du bois là. Du bois qui est de Edge niveau 3, mais le problème c'est que lui il peut pas travailler avec du bois. Travailler avec du métal. Un jardinier pour le Weed Choked Garden. Le Wallet Garden, là en l'occurrence. Le Wheat Choked Garden, il faut du Earth ou du Nectar. Et lui, il est Forge ou Edge. Et il se trouve que pour ce Wallet Garden, il faut du Edge. Mais le Earth, on n'en a pas, malheureusement. Je crois qu'il y a elle, peut-être, qui peut avoir peut-être un peu de Earth, mais je suis même pas sûr. Alors là, on a notre ingé qui est prête. Level 6 désormais, on peut l'envoyer ici pour qu'elle travaille. Et du coup, on va rester sur notre idée de la forge. On verra si on trouve autre chose en type Edge pour une autre fois. On va lui filer une petite tasse de thé. Il va passer niveau 4. C'est parti. Alors, on peut débloquer qu'une seule carte à la fois. Donc, du coup, on va devoir attendre que celle-là se débloque avant de l'utiliser. Est-ce qu'on pourrait pas ranger un peu ce qu'on a dans notre inventaire là, qui nous sert un peu à rien? Toi, tu vas aller là, on a une vieille algue là. C'est immense ce truc. On a toujours pas trouvé comment laver nos draps. Hein. C'est terrible, hein. Terrible histoire. Alors, notre forgeron est prêt. Il nous faut encore 25 secondes. On va mettre l'algue là. Voilà, elle est belle là, notre algue là. Magnifique. Il nous reste un truc ici qui n'est pas fatigué. Il nous manque un else. Non, il est là, le deuxième else. Mais on va attendre de voir ce qu'on trouve dans les salles avant de le consommer. Alors, on va mettre le forgeron à bosser là et on va regarder ce qu'on a ici. Un buste de Kitty Mazarine, très bien. Ah bah c'est la chambre de Mazarine, ok. Alors, elle était connue pour ses compositions vocales, mais c'était une musicienne versatile. Et elle aimait inviter les gens à ses récitals pendant l'hiver, ok, les soirées d'hiver. Alors ici, c'est un instrument. Application, inspiration. Ok, on peut essayer de fabriquer des trucs rigolos. Faire de la musique. Instrument à grain de piano. On a la harpe également. J'imagine que ça doit être des trucs différents. Sky et Moon.
peux faire du moon là. Est-ce que je peux mettre ce skill? Oui, mais on est à 3 de moon. Lui, toi, t'as plus de moon, toi, donc on va mettre lui plutôt. Ah, on est que à 4. On est que à 4. Du coup, il nous faudrait soit de l'inspiration, soit une memory, mais qu'on va pas cramer notre leçon pour ça, donc pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut. C'est des accords différents à chaque fois, quand même. Hein. C'est des accords différents à chaque fois. Du coup, on va attendre de se faire cette salle-là, mais ça, c'est un escalier, donc il n'y aura pas grand-chose. Donc, on va cataloguer un bouquin. C'est parti. Non, on va peut-être pas cataloguer un bouquin. On va analyser ça. Hop. Savoir un peu s'il y a des infos intéressantes sur elle. Ça va nous créer un souvenir qui va probablement disparaître. Enfin, qui va disparaître à la fin de la nuit. On sait même pas probablement, c'est certain. Un souvenir de type sight, ok. Quand on regarde un objet, on a un souvenir de type sight. Par contre, j'ai pas regardé. On a pas plus d'infos. Ok. Bah, du coup, on va être bon pour la nuit. Ça, ça va s'ouvrir. Donc ici, on voit qu'il y a, les... il y a moyen de mettre les bustes des libraires, des bibliothécaires célèbres. Le troisième. Ici, il y a l'air d'avoir un truc écrit. Le premier libraire, la septième baronesse de Bankruk, sixième baron de Bankruk. Et ici, le second libraire. Je sais pas exactement ce que ça fait quand on a tout rempli. Je crois qu'on l'a, le buste de la 7e baronesse, il me semble. C'était elle, là. Non, c'était pas elle. Saint-Mélancte. Il me semble avoir vu un truc, c'était peut-être un livre. Hein, on avait... Tellement de choses partout. Ok, ici on passe level 7. Ici on passe level 5, c'est encore jouable. Ici, du Grail level 4 ou du Winter level 5, pourquoi pas. C'est dommage, je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà regardé celle-là et que je me demande si c'était pas elle, l'une des libraires, l'une des bibliothécaires. Ah non, elle, c'est la sixième, ok. Est-ce qu'on a la sixième? Sixième, là, c'est ça. Donc toi, tu viens dans notre inventaire. Et on te met là. Non, je le fais, ça se trouve, ça n'apportera rien. Mais j'ai tendance à penser que si on a ce truc-là et qu'on le met dans l'ordre, ça va probablement faire des trucs intéressants à un moment. Mais c'est peut-être totalement une supposition. Ça, c'est 2 de nectar. Intéressant. Ça peut nous permettre de booster des trucs, du coup. Et là, on a des papiers. Ouh, bah non, pas brûler ça. Hmm. On avait un endroit où on peut travailler sur du nectar, non. On n'a pas ce qu'il faut. Il faudrait qu'on arrive à dépiler quelques trucs. Il nous faut des souvenirs, là. Il nous faut des souvenirs du bon type. C'est l'enfer, ça veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez, ça va être la journée. Il va falloir qu'on arrête de se disperser, qu'on essaye de... Qu'on essaye de trouver, d'améliorer nos compétences, ou de débloquer des nouvelles compétences.
globalement, on peut avoir des souvenirs de type sight, des souvenirs de type toucher. Donc ça, c'est de la lanterne, c'est pas très intéressant. Quel temps il fait? Woody? Sony. Ah, ça mange pas ça. Est-ce qu'on a rien qui fait du sky? Et là, on est d'accord que dans notre super arbre, lui, il est toujours committed, donc je ne peux pas le mettre là. Alors, Azurem, tu trouvais le truc touffu, mais t'as pas tout vu encore. Hein. On a ici un magnifique arbre où on peut avancer dans toutes les branches pour débloquer encore plus de choses. Et oui. ok. On va analyser ce truc-là. Avec un effort de type shaft. Et comment on pourrait faire? Alors on a quand même pas mal de trucs de type nectar hein, qui pourraient nous booster le nectar. On pourrait faire un café pour booster la forge. Ouais. Pourquoi pas? Là, on a toujours cette clé. On sait pas du tout à quoi elle sert. Mais c'est Winter de niveau 3. Winter de niveau 3. Est-ce qu'on pourrait travailler dessus? Tuck. Là, on est à 5 avec ça. 5, 5, 5. Il nous faudrait une memory. Alors, on pourrait mettre ça, mais... Ça cramerait la leçon, donc ça m'emmerde. Et là, il nous faut une encre ou un tool. Est-ce qu'on a un tool de type Winter? Donc ça, c'est la clé. C'est une clé. C'est pas un tool, on est d'accord. On peut pas la mettre. Non. Tac, tac, tac. Ici, maintenant qu'on a notre loup de level 3, là, on pourrait pas atteindre 5. Allez, on est à 4. 4, 4, 4. On peut mettre une lentille, on peut mettre un tool, on peut mettre un élément of the soul. On n'a pas d'autre élément of the soul qui fait de la moon. Hein. Non. Donc il nous faudrait un outil de type moon éventuellement. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme outil dans cette foutue maison? Là, on n'a rien. On a ça, qui est de type sky, on a ça, qui est de type lanterne. Tac, tac, rien d'autre. Ici, rien, et dans nos nouvelles pièces, là... Rien non plus. Bon. Ça fait chier. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. On va pas se mentir, c'est embêtant. Très embêtant. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. On est coincé une fois de plus. Alors après, on est coincé, mais cela dit... pas tant que ça. Parce que ce qu'on peut faire, c'est se dire... On est à 5. Pour 8. On peut y arriver. On peut y arriver. C'est possible d'y arriver. C'est tout à fait possible d'y arriver. Alors ici. Serena Blackwood. C'est la 10e libraire. Dommage qu'on ait... on ne puisse pas le mettre quelque part. Ça. Alors en vrai, ça le met dans notre presse-papier, donc on pourrait, on peut avoir un éditeur de texte à côté pour prendre des notes. C'est tout à fait possible. Même si bon, dans le contexte, voilà quoi.
Là, on a une mémoire à deux de lanterne. Ouais, mais on a... si on peut travailler sur la lanterne ici. Est-ce qu'on a un livre avec un challenge de type lanterne jouable? Ça, c'est 12, non? 10, 12, 10. Alors, je regarde ce chiffre-là, hein, le mystère, c'est le challenge à réaliser. 18 ici en edge, non? Celui-là, on l'a déjà lu. Non, on l'a pas lu celui-là. On l'a pas lu celui-là. Ce qui veut dire que ma bibliothèque n'est pas cohérente. Toi, viens là, on va te mettre ailleurs. Oui, ceux qu'on a lu, ils sont là. On va te mettre ici. Là, on a un challenge de type lanterne de niveau 8, sachant que le seul soul qu'on a, c'est 1. C'est pas gérable. Non, c'est pas gérable, c'est pas gérable, c'est pas gérable. Le sky de niveau 6, peut-être. Non, on n'a pas d'aspect of the soul de type sky. Non, on n'a pas d'aspect de... on n'a pas d'aspect de type sky, donc non, c'est pas gérable. C'est pas gérable. On va aller travailler un peu à la taverne hein, pendant ce temps-là. Ça fera un peu de sous. Faut que je me recale parce qu'il y a un gros chat qui s'est tapé l'incruste. Il parlait pas de ce chat-là. Donc ici, pour l'instant, on est à 5 pour 8, mais on va avoir l'opportunité d'ajouter des choses. Et avec un peu de bol, c'est des choses qui seront intéressantes pour nous. Alors, on va pouvoir mettre des mémories. Ah, non. Et un Nawen. Un genre d'inspiration qui va fonctionner tout seul. On peut mettre des memories, mais on n'a pas de memory de type moon, de type winter. Peux mettre quand même, hein. Mais bon, ça change rien, quoi. Toujours à 5 sur 8. Après, si ça arrive à améliorer ce qu'il faut, ça peut le faire. Si l'inspiration divine, elle arrive à travailler sur le Winter. Allez, allez. Alors, la divine inspiration, elle a augmenté tout sauf ce qu'on voulait, je crois. Ah putain ouais, elle rajoute plein de trucs mais elle améliore pas ce qu'on veut. Et merci beaucoup pour le raid Edroda, bienvenue à tous les raideurs, j'espère que vous allez bien et que le live s'est bien passé. Et bonjour Carlou. Bienvenue sur le live. Sur quoi vous étiez Edroda? Dis-moi tout. Et non. C'est un échec. C'est un échec, mais après ça me donne la mémoire Winter niveau 2. Donc on pourrait réessayer. On peut réessayer. On va réessayer. On va récupérer ici nos sous et on va reposer notre aspect de type Winter. C'est parti. Toc. 60 secondes, on réessaye dans 60 secondes. Je suis en train de me dire, je l'ai pas fait tout à l'heure pour Xebus, mais je crois que je peux faire ça maintenant. Un truc comme ça, si je veux faire une dédicace. Non, c'est pas shoot-out. Ah, je sais plus comment on fait les dédicaces. Je fais pas des lives assez souvent. Désolé, vous pouvez trouver la chaîne d'Edroda en cliquant sur son nom. Merci beaucoup pour le raid. On n'a pas eu de visiteur depuis longtemps, j'aimerais bien un petit visiteur là. Ce serait cool. Donc là, on va utiliser notre nouveau souvenir pour réessayer le livre en boostant un peu. C'est SO. Ah, donc c'est shoot-out mais en raccourci du coup.
Ok, étrange. Bon, bah le cœur y est, Droda. Promis. pendant que ça travaille, on a quand même pas mal de trucs là. On va cataloguer un peu des livres. Pour ne pas terminer la journée avec des choses en pleine forme. Et c'est ce qui compte, merci beaucoup. Allez, on y est presque. Hop là. Wits est de retour. Donc on retourne sur notre petit desk. Ça, c'est envoyer un tir. Ça n'a rien à voir. Bah ouais, parce que je l'ai déjà fait en fait, Edroda. Donc je sais que ça a eu marché. Donc soit ça s'est désactivé pour une raison que je ne sais pas. Soit c'est moi qui suis nul. Il est probable que c'est moi qui suis nul. Ok, là on met une petite mémoire, on est à 7 là. 7 pour 8. Ça peut marcher, 7 pour 8. Wisebot en PLS, c'est possible. Non, il a l'air d'être content, enfin de fonctionner en tout cas. Ah, mais Gaelden, il aime bien se moquer. C'est pour oublier à quel point tout le monde, tous les autres se moquent de lui. Tiens, on peut pas accéder à ces salles là, donc il faut vraiment qu'on débloque l'étage et après qu'on avance comme ça. Intéressant. Eh, ça peut paraître logique, mais pas forcément. Unfinished recording. Ok. Donc on va mettre les livres, on va commencer à remplir cette bibliothèque là. Ah, ça c'est un rouleau, tiens, rigolo. Bisous, mon Calimero. Tac tac tac. Je vais attendre un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec notre merde, notre desk ici. Avant de cataloguer d'autres trucs. On a toujours nos pilchards là qui pourraient nous permettre de booster un peu la moon. Hein. Là, si on a un bon tirage et qu'il nous demande pas des... Comment ça s'appelle? Des mémories, des souvenirs, on pourra peut-être se démerder. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Trois esprits, échec. Bon, ben, on pourra pas faire mieux. Malheureusement, vérifie, hein, mais là c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Là on a du Moon et pas de Winter. Non, on est coincé. C'est beau le franglais quand même, mais tu vois pas comment tu pourrais faire autrement sans devenir dingue à chercher tes mots toutes les 2 secondes. Ah bah oui, il y a des petits mots comme ça où... Et bah bon app, Edroda, merci encore pour le raid. Allez, à 7 sur 8, on peut faire un beau jet là. Il y a le beau geste là. Tu dis s'il te plaît, Dieu d'aider, Dieu S'il de te la plaît, chance. Dieu d'aider, Dieu de la chance. En vrai, je sais pas si le fait qu'ils nous disent il y a une chance de réussir, c'est parce qu'on a un pourcentage de chance même réduit de réussir quand on n'a pas assez. Ou si c'est uniquement sur le fait qu'il faut qu'on ait un bon truc ici. On tire un extra effort pertinent. J'utilise des gros mots, moi, Gelden. Je suis pas du tout mon style. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, en plus. Non. Ça, c'est dommage. C'est la journée qui vient d'arriver, donc ça va être fatigué. Va falloir qu'on le. Ah, Cloud. Ça, c'est cool. Cloud, c'est de type mood. Et du coup, on a carrément à récupérer un souvenir de type peur. Bon, c'est raté. Bon, c'est un échec, mais avec un souvenir de type Cloud, on peut peut-être travailler sur un truc de type Cloud. Et Cloud, c'est Moon.
Et Thrust qui est de type Moon. Ah non, zut, il me faut le desk qui me permet de travailler sur le Moon. Voilà, c'est celui-là. On peut mettre ça. On peut mettre notre compétence. Et on est à 5 sur 6 pour, 6 pour ne pas changer. Ah ouais, tiens, on peut crafter un truc. On va essayer de crafter un truc. Ah, mais j'ai pas assez. Il faut que je consomme mon souvenir si je veux le crafter. Pas tenter de le crafter, du coup. Midnight Mark, je sais pas ce que c'est. On va tenter. 5 sur 6, toujours pareil. Et on a un bon jet, on peut réussir des trucs. Et on va cataloguer du livre aujourd'hui. C'est un jour de bibliothécaire aujourd'hui. Hop, voilà. Alors pas avec ça. Avec ça. Et on va essayer de régénérer. Il nous faudrait un truc restauratif. On avait ce machin là, mais c'était intoxicating. C'est peut-être pas idéal. On a le thé là, éventuellement. Mais il est assez costaud le thé, ça m'embête de l'utiliser pour ça. On a le vin de base. Le vin de base, on pourrait le servir. Hop, voilà. Un verre de vin. Et on va faire une petite sieste avec notre verre de vin. Voilà. 1 minute 30, c'est parti. Et du coup, avec notre health... Ah non, on n'a pas le loup, donc on peut rien faire d'autre. Donc avec notre health, on va aller travailler un peu. Zébardi. Ah, il se passe des trucs ici. Alors, on a toujours notre affaire en cours. Peut-être que on va avoir un notre nouveau visiteur ici. Et là, ils ont envoyé un catalogue de publicité. On peut récupérer à la poste? Non. Ça sera débloqué dans 2 secondes. Une commande. Alors, ils ont des bureaux presque partout. Mais pas dans cet endroit tout pourri du royaume. Mais au moins, ils peuvent livrer ici. Alors, on peut utiliser de l'encre pour commander des items, des objets d'intérêt. Et en plus, ça consomme pas Link. Intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors, comment ça marche? On met ça. Il nous faut de l'encre. Bah, on va mettre ça. On doit choisir? Non. On peut start, on va lancer, on va voir ce que ça fait. J'imagine qu'il va falloir payer de toute façon. Ici on en est où? On a encore du temps avant de repasser voir, 40 secondes. Et donc là, si je l'envoie à la poste, il faut un penny, je crois, pour le timbre. Non, plus qu'un penny. Ah, c'est 24. Ah bah oui, parce qu'il faut qu'on paye... Non, c'est 6. 6 pence. On a filé 24, c'est ça. 6 pence pour la commande et le timbre. Bah go, on va voir ce que ça fait, tiens. Peut-être qu'on va pouvoir avoir des objets rigolos. Des objets d'intérêt, ça dit. Ah, ici, on a terminé un truc. On a terminé notre envoi. Là, on a terminé de cataloguer ce livre. Ah, c'est que 8. Mais c'est scale. Pas simple, scale. Hop, voilà. On va garder un petit peu d'Aspect of the Soul. C'est le début de la journée. D'accord qu'on n'a rien d'autre de type Moon, hein. Non. C'est dommage parce qu'ils ont quasiment tous 2 aspects, mais en fait, on en a très peu qui se recroisent. Du coup, c'est pas simple. La chance, attention. Eh ben non, c'est des souls, donc c'est raté. Alors là, qu'est-ce qui se passe?
MCO constantly. Don't get here in the way. Ok. Ah, elle est capable de comprendre ce langage suffisamment pour nous l'apprendre. Donc nous, on connaît le grec, on connaît le latin, mais il y a peut-être moyen d'apprendre le Kilazimi d'une manière ou d'une autre. Donc ça sera avec le DLC. Elle est interested in Moon. In Sky. Ok, le de type Moon. Alors, est-ce que on a moyen... On va laisser le slot empty pour voir ce que ça fait. Alors, je peux identifier l'intérêt de mes visiteurs et leur donner le livre. Et ou alors on peut payer pour qu'elles nous apprennent un langage. Ah, il faut un truc de type Tali. Ok. Du coup, elle est intéressée par le Sky et par le Moon. Donc on peut lui offrir le... Enfin lui offrir, on peut lui proposer le livre... Le livre qu'on a réussi à lire, qui est de type Moon, justement, niveau 6. 60 secondes pour papoter avec elle. Donc ici on peut mettre des saouls. Mais si ça échoue, peut tomber malade. Et vu qu'on n'a aucun soul intéressant, on va pas le faire du coup. Ah, c'est con, hein. En deuxième fois qu'on tire trois fois soul. On a bientôt régénéré. On est d'accord que toi, t'es pas de type Moon, non. Tout ça est bien dommage. Ici, on peut récupérer 6 pence vu qu'on a travaillé. Et alors, la question qui se pose, avec les différentes encres qu'on a récupérées, est-ce que je peux travailler un petit peu sur mon livre? Il nous faut une encre correspondante. Je pense que je vais plutôt mettre celle qu'on a trouvée là, qui est une encre de type containment. Alors, making une détermination, tatata. Ah oui, non, c'est vrai, il faut 20 d'un aspect. Et là, je vais crafter du engrau, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Non, du coup, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on arrive à 20, donc ça veut dire qu'il faut une encre qui colle avec le mystère, et un skill qui colle avec le mystère, un soul qui colle avec le mystère, et un souvenir qui colle avec le mystère. Donc, on n'est pas prêt d'avancer ce bouquin, en fait. Je crois que je l'avais déjà fait, que j'avais oublié, mais... Et ici, ça va être un échec, malheureusement. Notre Cloods aura été consommé. Faudrait qu'on arrive éventuellement à monter ça de niveau. Mais il faut deux souvenirs et une leçon. Je vais passer quelqu'un là. Ah oui, c'est ça. Elle a terminé. Inattendu. On gagne un cadeau. Ah, et du coup, elle s'en va. Ok. Intéressant. On a eu un memory de type regret. Dead Winter, une fois de plus. Dead Winter, ça suffit pas. Vu qu'on est à 6, on est à 8 ici. On n'a rien trouvé à 6 de Winter. Retenter, hein. Retenter le Musgrave, hein. À tout, ça ne coûte pas grand-chose.
si on met ça, on est à 7. 7 encres là, elle marche pas. On va retenter. Allez. Toi, on va te ranger dans ta bibliothèque. Et on va collecter avec les trucs qui nous restent parce que c'est pas une journée très productive là. On sait pas qu'elle partirait en fait quand je lui aurais filé un livre. On sait qu'elle resterait un petit peu et que je pourrais essayer autre chose. On va aller faire une petite balade dans les bois pour voir si on trouve des trucs. Elle nous a quand même donné un... une monnaie rare. Mais du coup ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on la regarde, la monnaie rare. Dernière fois je l'ai changée pour faire un peu de sous. Parce que si on la garde, elle aurait... si on l'avait gardée, elle aurait peut-être pu nous apprendre son langage. Donc on va les garder de côté un peu. On va utiliser Ereb pour cataloguer un autre livre après. Et je pense qu'on sera pas trop mal pour la journée déjà. On a tenté 3 masteries aujourd'hui. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Level 10 en forge. Ok, c'est un rouleau du coup. Ah non, c'est un livre tout fin. On va cataloguer le vert là. Donc les couleurs sont aléatoires, hein. Ça n'a rien à voir avec le contenu du livre. Ce serait trop facile sinon. Donc en plus ce livre, non c'est pas lui qui parlait de l'encre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Dundee. Et 2 extraits efforts de type Soul. Donc ce truc-là avec un peu de bol. Il augmente certains aspects. Avec un peu de chance, il pourrait augmenter le bon aspect. Bon, jamais. Et ici, on a trouvé un rose level 10. On va le mettre dans la bibliothèque des trucs au niveau. On va surveiller notre livre. Sur un coup de bol, ça peut passer, une fois de plus. Hein. Comme ils disent, avec un peu de chance, ça peut passer. Mais le fait que j'ai pas ce qu'il faut veut probablement dire qu'il y a quelque chose que j'ai raté ou que je fais pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Augmente-nous ça, ce serait cool. Non, il nous a rajouté plein de trucs. Mais pas ce qu'il faut. Raté. Raté pour la journée. Et bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Oh, on a trouvé un joli caillou. Un morceau de quartz. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Comme d'habitude j'attends un petit peu. Est-ce que je peux pas optimiser un peu l'espace là pour ranger mon caillou? Non. Je peux pas ranger mon caillou. C'est bien dommage sur la table. Voilà. On se laisse là pour cette fois et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.